Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, devant vous, au-dessus de vous, et sa grâce nous accompagne chaque jour, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Au revoir. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le commandant en chef de la Police nationale, Monsieur l'inspecteur général en chef de la Police nationale, Messieurs les membres du haut commandement de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant du commandant en chef des forces armées, Monsieur le directeur médical de la Police nationale, Monsieur le représentant de l'ambassade américaine, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, policières, policiers, Mesdames, Messieurs, distingués membres de la presse, parlée, écrite, télévisée. Le commandant-chef de la Police nationale, Monsieur Léon Charles, est heureux de joindre sa voix à celle du haut commandement tout entier pour présenter ses voeux de santé, de sécurité et de prospérité à l'occasion du nouvel an. Aussi, soucieux du bien-être de son personnel, le commandant-chef s'empresse-t-il, en ce 4 janvier 2011, d'informer tous les membres de l'institution que la police nationale est désormais dotée. Force armée d'Haïti. Monsieur le représentant de l'ambassade américaine, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, policiers et policières, distingués membres de la presse, Mesdames, Messieurs, the greater good of a nation. Merci à tous. À présent, mesdames et messieurs, j'invite le commandant-chef des forces de police à délivrer son discours de circonstance. Monsieur le commandant-chef. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général en chef de la Police nationale d'Haïti, Messieurs les membres du haut état-major de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant de l'ambassade américaine, Monsieur le directeur général de l'OFATMA, policières et policiers, distingués membres de la presse, Mesdames, Messieurs. Dans la foulée de la célébration des fêtes du Nouvel An, une curieuse coïncidence a voulu que ce soit aujourd'hui, ce 4 janvier 2020,
santé des membres de la BNH, nous devons donc continuer à collaborer avec nos partenaires dans le secteur médical. Cependant, et désormais, tout membre de la BNH en quête de soins sanitaires sait qu'il existe un centre hospitalier qui est prêt à l'accueillir à toute heure et en toutes circonstances. Dans cet ordre d'idée, l'impératif sera santé d'abord, formalité administrative ensuite. La prise de possession de cet hôpital est un acquis majeur et un pas déterminant dans l'idée de renforcer le système de sécurité sociale de tous les membres de l'institution policière. En effet, depuis 1995, doter la BNH d'une couverture d'assurance santé efficace et efficiente a toujours représenté un défi pour toutes les autorités supérieures. Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, j'enjoins le haut commandement à maintenir cette alerte maximale déclenchée récemment. Pourquoi, dans cet esprit d'anticipation des risques énormes qu'exposent nos agents des forces de l'ordre dans les opérations, l'administration Maurice Joute, à travers le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui est l'autorité de qui relève la PNH, a concrétisé la promesse du président de la République en rendant opérationnel ce centre hospitalier dédié prioritairement aux policiers et policières et à leurs dépendants. Cet hôpital est équipé pour offrir des services de base comme urgence, traumatologie, chirurgie, médecine interne, obstétrique, gynécologie, pédiatrie, psychiatrie et autres. Il s'agit là d'une prise en charge effective de la vie de chaque agent et de leur famille qui mérite la haute gratitude de l'État. Le gouvernement, par ce geste important, veut traduire son attachement à la vie et à la santé de chaque policier qui expose leur vie pour garantir la nôtre, qui reste sans sommeil pour nous permettre de dormir. Un policier, dans les conditions qui sont les nôtres, est un héros qui mérite chaque jour les honneurs et la reconnaissance de la patrie. Dans cette veine, je veux leur dire de travailler avec courage et sans crainte. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique se tient debout à leur côté. Je vous défendrai partout pendant que j'exige le respect des principes et des lois dans l'accomplissement de votre mission. Sachez que je ne permettrai aucun abus de quelle que soit l'autorité judiciaire et administrative à votre encontre. Je serai présent pour vous défendre dans cet ordre de traquer et de neutraliser les bandits de tout poil et de tout acabit qui sème le deuil dans nos familles et qui sont utilisés comme instrument de déstabilisation politique. Tel est le vœu du président de la République et du Premier ministre. Le renforcement des moyens de travail de la PNH va se poursuivre. La prise en compte de chaque agent est une priorité pour le président de la République. Les capacités d'intervention sont en train d'être optimisées. Pour la République, pour la nation, continuez sur cette lancée et soyez inébranlables et intraitables face aux bandits et aux bandes armées. Vive la PNH, je vous remercie.